la protection contre une irradiation externe. C'est basé sur l'utilisation de gants de latex en ingérence radioactive. Non. Les gants de latex, ça ne protège rien. Il faudrait des gants au plomb, éventuellement. Ah ben, les gants de latex, c'est contre la contamination, non pas contre l'irradiation externe. Le confinement, donc la protection contre l'irradiation, est basée sur le confinement des radiopharmaceutiques dans des flacons en verre. Oui. La réduction du temps, donc on ne va pas confinement dans des flacons en verre, hein, ça peut être d'autres flacons, mais l'essentiel c'est de ne pas mettre ces flacons sur la paillasse comme ça. Vous pouvez les mettre également dans des protèges. Flacons au plomb. La réduction du temps d'exposition au rayonnement ionisant, oui, ça c'est général. L'utilisation d'un film dosimètre. Alors, c'est quoi le confinement de la des radios pharmaceutiques dans des flacons, c'est pour éviter qu'ils se dispersent. Et donc, le flacon de verre ne protège pas contre l'irradiation externe. Et que le 144, il va vous irradier. Donc, vous ne vous protégez pas. Le B, vous ne le prenez pas. Hein. Le B, c'est bon. La réduction du temps d'exposition aux rayonnements ionisants. Oui, en temps, l'utilisation de films dosimètres. Le film vous donne une idée de la dose reçue, mais il ne vous protège pas. Ça ne protège pas, donc on ne prend pas. L'interposition de l'écran atténuant, oui. Donc finalement, la radioprotection des patients utilisant un examen, subissant un examen radiologique est basée sur. Ça, c'est la vie pour les patients, non pas aux manipulateurs ni aux médecins. La radioprotection des patients. La justification de la radiologie. L'équipement du patient par un film dosimètre. Non. Parce qu'il va être dans le champ. Il va être bien irradié. Donc ça ne sert absolument à rien. Et ça ne protège pas. L'injection de produits de contraste. On peut utiliser le produit, mais ça ne protège pas le produit de contraste. Au contraire, il peut faire des réactions secondaires. La réduction des milliampères secondes. La réduction des masses. Vous prenez, vous laissez. Il vous passe. Les milliampères secondes, je vous ai dit, en vous présentant les caractéristiques physiques des radiations ionisantes, que lorsqu'on prend une image radiologique, il y a le paramètre ampère qui va nous donner le nombre de photons, qui va nous permettre d'avoir une bonne image, bien visible, et les millisecondes qui vont être le temps, qui va être le temps d'exposition du sujet. Donc vous imaginez, plus vous avez de photons par les ampères, et plus vous mettez le sujet à l'irradier, et plus il reçoit. Donc si vous réduisez les milliampères secondes, vous réduisez, vous protégez le patient. Vous voyez, hein, si vous réduisez un petit peu, c'est donc les questions. Hein. Si vous n'avez pas d'idée, vous passez. Vous revenez après. Je répète. Les milliampères, c'est indirectement le nombre de photons X que je vais avoir dans mon faisceau. Plus j'ai de milliampères, c'est-à-dire plus j'ai d'électrons qui vont battre, plus j'ai des milliampères. Et plus j'ai de photons, plus j'y réagis. Et plus je reste devant ce faisceau, plus je suis irradié. Donc milliampères secondes, c'est deux paramètres qui augmentent le risque d'irradiation. Si je les augmente les deux. Donc si je veux le protéger, je dois réduire les milliampères secondes. Ok ? C'est pas vrai. C'est pas vrai. La limitation de la dose efficace à 2 millisieverts. Pourquoi on a choisi 2 millisieverts ? Tout simplement parce que on a la limite de 200 millisieverts. Mais 2 millisieverts, qu'est-ce que je vais avoir comme image ? Rien du tout, même pas une radiothorax. Donc, rappelez-vous, la dose naturelle annuelle, c'est de 2,4 millisieverts. Donc, 2 millisieverts, c'est même du tout. Si on arrive à l'utiliser, oui, mais ça ne correspond absolument aucune image, même pas une radiothorax. La radiothorax, c'est aux alentours de 25 millisieverts. Alors, les normes de radioprotection, il y en a trois catégories de personnes. Il y a des catégories A, qui sont des personnes habilitées
et ont choisi de travailler sur les adultes. Ils sont les médecins radiologues, les radiothérapeutes, les médecins nucléaires, les techniciens qui travaillent avec eux. Il y a des catégories B. Ceux qui sont dans le pool de ces services, mais qui n'ont rien à voir avec les radiations minimales, à savoir les secrétaires, les auxiliaires médicaux, la lumière qui nettoie, et enfin le public. C'est la personne qui vient accompagner un malade. Le malade, lui, va être. C'est une irradiation conservée. On a dit justifier, optimiser et limiter. Justifier, optimiser et limiter. Alors que le public, la personne qui vient accompagner, il faut bien entendu en venir. Dans les catégories. Et pour chaque catégorie, on va avoir donc des normes. Les normes, ce sont des normes tunisiennes anciennes. C'est le cours, peut-être comme le cas de 50 millisieverts. Pour les catégories A, c'est 20 millisieverts par an, sans dépasser 100 millisieverts en 5 ans. Alors, si accidentellement quelqu'un a pendant 2 ans reçu 100 millisieverts, c'est terminé. Il ne doit plus travailler pendant les 3 années restantes sous les moyens de l'usine. Oui, avec le service. Voilà, il est un technicien supérieur, il veut dire un travail administratif. Il veut dire que le catégorie A, il veut dire catégorie B. Pour une femme en âge de progrès et qui travaille dans soit médecin, soit résident, soit interne, les internes sont plutôt dans la catégorie B. Alors, parce que c'est pour les protéger. Ils ne sont pas encore, ils n'ont pas choisi leur carrière. Ils n'ont pas choisi leur carrière, vous ne pouvez pas leur imposer cette irradiation. Vous voudrez veiller à ce qu'ils soient moins irradiés. Alors, la femme en âge, c'est 13 millisieverts par trimestre, à ne pas dépasser. 13 millisieverts à ne pas dépasser. Pendant, sans dépasser, 10 millisieverts, les 13 millisieverts, il ne faut jamais les dépasser pendant un trimestre. Jamais. Mais la limite pendant les 9 mois de grossesse, c'est 10 millisieverts. Maintenant, si pendant un semestre, un trimestre, elle a comptabilisé 13 millisieverts, c'est terminé. La grossesse, au matin, on voit nos enfants qui sont là, elles sont protégées, elles ne font rien avec la radioactivité, elles ne sont pas tenues en contact et ils ont toujours 0 millisieverts dans leur profil dosimètre. Pour les extrémités, quand on manipule avec dans la préparation du produit radiologique, où on a les mains dans le champ, comme c'est le cas par exemple des radiologues, des radiologues qui font de la radiologie interventionnelle, ils sont obligés d'avoir des balles ou bien des bracelets qui nous donnent la quantité de rayonnement parce qu'ils ont les mains dans le champ. Et là, on est beaucoup plus laxiste, on accepte qu'ils ne soient pas 500 millisieverts par an, parce qu'ils sont beaucoup moins sensibles, nos mains, par rapport à nos organes d'une manière générale, sans dépasser 300 millisieverts par an. Alors pour le PIFALA, là on est un peu plus vigilant, c'est 150 millisieverts par an. Alors est-ce qu'il faut retenir ces chiffres? À mon avis, non. Vraiment, si quelqu'un il peut vous demander de citer des cas, donner les doses, le type de dose des DATR, tout ça, c'est vache. Un an pour moi, une valeur, c'est celle-là. D'un millisievert, pour les personnes, les radiologues, les circulaires, les cardiologues, les orthopédistes, etc., ceux qui utilisent les radiologues. Alors, les catégories, je vous l'ai dit, il s'agit, c'est les techniciens, c'est les internes, c'est les techniciens supérieurs pour l'apprentissage, qui viennent dans les services pour apprendre. C'est la secrétaire qui peut être amenée à rentrer dans les salles des hommes, donc surveillée et contrôlée. C'est le 3/10 des catégories A. Donc il y a un homme. Là, le 3/10, ça va être 6 millisieverts par an. En plus de la dose reçue annuellement par la nature qui est de 4 millisieverts. Le public,
C'est un dixième, pas plus. Malgré cela, une salle d'attente. Il faut que le débit de dose soit tel qu'il soit inférieur, comme on l'a dit, à 2,5 microsieverts par heure. Comme ça, on peut assurer au public une bonne radioprotection. Donc là, c'est général. Vous voyez une question comme ça, c'est plutôt acceptable. Là, pour les équivalents, la limite de dose adoptée en radioprotection pour les catégories B, comme 6 millisieverts, c'est-à-dire là, c'est le 3 dixième de 20 millisieverts. Donc dans le H, alors 1 millisievert par an pour le public, oui. Oui, 1 millisievert. Allez, pour le plus fin, c'est 105 ans. Donc, pour 100 millisieverts par an pour le travail de la catégorie A, non. Et pour le public, pas de problème. Bon, c'est-à-dire que si on peut dépasser le 1 millisievert, je ne sais pas quelle est la réponse. Il n'y a aucune bonne réponse. Ah, d'accord, une erreur de frappe, on va 250 pour que ça soit bon. Il n'y a aucune bonne réponse. Pour les extrémités. Mais je ne la mettrai pas, cette question. Je considère que les... Pour assurer la radioprotection du public contre les nerfs moyens, sans la réponse, de réagir le recours dans le service de radiologie, tout à fait, de prendre le public, de la doctrine des femmes enceintes. Si vous considérez que le diagnostic positif d'une pneumonie lobaire aiguë et radiologique, vous devez le faire parce que la thérapeutique est obligatoirement liée au diagnostic positif. Il s'agit de quoi ? Parce que un capteur ou un C est enceinte, avec quoi vous allez faire le diagnostic ? Je vous ai dit, c'est 20 microsieverts. C'est rien du tout, 25 microsieverts. C'est rien. À condition de protéger le ventre de la maman par un tablier au pont. Alors, ce tablier, il ne la protège pas du fusée. Elle va recevoir des rayons diffusés qui viennent du thorax. Mais ça va la protéger dans les fuites si jamais la limitation du champ n'a pas été bien limité par le technicien. Donc vous allez limiter par l'auteur du James Wick à peu près. Donc il faut protéger le ventre, sinon ce n'est pas contre-indiqué. D'interdire l'accès aux salles de radiologie au public, même si le tube à l'hélice est à la. Non, là il est tellement mal arrêté, il est absolument prêt. Enfin, il y a la... Par contre, si par là, à moins de 7,5 microsieverts par heure dans la salle d'attente. Oui, c'est-à-dire qu'on est à l'ouïe dans la hiérarchie des hommes intérieure à 7,5. De faire porter les techniciens des films dosimètres. Non. On ne le protège pas. On surveille son irradiation. Mais on ne le protège pas par le film dosimètre. Donc, voici les bonnes réponses.